Bonjour à tous, bonjour à tous. C'est Trading avec vous. Donc, je vais revenir sur le Bitcoin. Donc, le target que j'avais déterminé ici, je vous ai dit, cette prise de liquidité serait intéressante de prendre. Bah, Bitcoin, c'est ce qu'il a fait. Donc, il est venu chercher cette liquidité ici. Donc, ça nous valide ici un potentiel retournement de situation. D'accord? Une tendance, comme on a dit, une accumulation. Donc, possibilité, bien sûr, que la tendance baissière s'inverse sur le Bitcoin. Cela bien sûr ne veut pas dire que le point ici est le point bas. D'accord, pour votre information. Car si on prend bien sûr une accumulation du style week off, d'accord, on a une descente, un arrêt, une montée, un retracement, une prise de liquidité, soit de ce niveau-là, soit de celui-ci. Donc là, l'objectif était de prendre celui-ci pour valider. Il l'a pris. Donc on l'a pris. Donc derrière, il a validé ici un retournement de situation. Possibilité, bien sûr, de reprendre ici la liquidité en bas pour repartir ensuite vers le haut. OK. Soit il la prend une fois, soit il la prend deux fois. OK, pour votre information. Ça, c'est l'accumulation classique. Maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi qu'on a, comme je vous l'ai expliqué sur les vidéos suivantes, que le prix ne crée pas de plus bas. Donc ne crée pas de plus bas par rapport à celui-ci. Que celui-ci est le plus bas. En créant 2 ST ici, on va voir sa réaction quand il va revenir sur la zone ici, parce que forcément il va y revenir à un moment ou à un autre. Donc là, ici, il va y revenir. Et là, on va checker, soit il s'arrête là, dans cette zone-là, et il repart. D'accord? Et il ne fait pas de plus bas. Soit potentiellement, bien sûr, il peut descendre beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, ça veut dire, comme je vous l'ai dit, hein, moi personnellement, je le verrai. Je vais mettre en H4. En H4, pour vous expliquer. Si mon graphe veut bien. Donc l'avantage en H4, je le verrai descendre un tout petit peu plus bas. J'ai tracé cette ligne verte, donc 16 337. Donc on va regarder ici rapidement le niveau ici. Donc pour moi, c'est dans la zone d'ici, 16 317. Donc cette ligne verte ici. Donc potentiellement, il peut venir bien sûr titiller la zone entre 17. Cette zone entre 17 650 qu'il a créée ici et celle-ci un peu plus bas entre 16 317. S'il valide bien sûr une accumulation classique. S'il ne valide pas une accumulation classique, ok, comme on a dit, possibilité, d'accord, qu'il vienne retester ici pour repartir vers le haut. Voilà cette possibilité. Donc, nous allons bien sûr checker, prendre son temps. Bien sûr, il va accumuler encore. Ce qu'on voit ici, c'est un déséquilibre de marché. Donc, potentiellement, le prix peut monter encore plus haut, venir checker ce déséquilibre, voire revenir rechecker la zone qui est là. Donc, revenir ici, dans cette zone-là, par exemple des 29 000, 28 000, ou s'arrêter sur les 26 000 ici, ou redescendre tout de suite. Vu qu'on a une prise de liquidité. Mais logiquement, quand on a un déséquilibre, le prix risque fortement de revenir ici. Donc j'ai tracé ici mon 0, mon 100% sur la zone qui est là, donc mon plus haut, mon high et mon low. La ligne des 50 est ici, sur les 25 067. Donc potentiellement, le prix peut venir ici en zone premium, au-dessus de la ligne des 50, au-dessus de l'équilibre Helium de cette structure. Donc passer au-dessus, aller checker le déséquilibre ici. S'arrêter au 61,8 ou aller un peu plus haut, bien sûr. Donc on va voir comment se goupille tout ça. Ou potentiellement, il s'arrête là. Il va descendre, retracer pour aller chercher ensuite tout le reste après. Voilà les possibilités. Donc, ne pas se précipiter. On a un bon signal ici de début de retournement de situation. On va laisser le Bitcoin, bien sûr, travailler. Et également, ça va pousser un peu, bien sûr, tout ce qui est altcoin. Ok,
Voilà, premier objectif atteint. Nickel, il est parti chercher cette zone-là. C'était le plus important que je vous ai dit. Moi, pour ma part, c'était le plus important. Aller prendre cette liquidité-là. C'est ce qu'il a fait. Pour l'instant, on est bien. On va attendre. On va patienter, observer, commencer à faire du DCA, comme je vous l'ai dit. Attendez ici si vous n'avez pas raté le train. Donc regardez bien sûr, il y en a qui m'ont dit, j'ai raté le train, le prix, il est parti. Mais il est parti de quoi? Il est 18, il est parti à 23. Ce mouvement-là. Et je vous l'ai dit, si BTC part, c'est on va chercher des sommets. Donc tranquillou. Ça veut dire que si le BTC il démarre à partir d'ici, on va chercher des grosses performances. Donc ne me dites pas j'ai raté, c'est pas. Il vaut mieux rater ça, d'accord? Avoir la confirmation que le prix va repartir à la hausse, quitte à rentrer avec 5 000, même 10 000 de retard. Allez, on est à 18. Même si vous rentrez à 38 000, à 25 000, d'accord? À 25, à 26. Mais on sait que le prix va repartir à la hausse, donc forcément sur le long terme, vous serez gagnant. D'accord? Et en plus, vous êtes sur une zone de rechargement. On est en discount, full discount. Donc si on regarde bien en daily, on est en discount. La ligne des 50, elle est sur les 34 000. Donc on est là. On est en discount. Donc du DCA peut s'effectuer sur Bitcoin. D'accord? Voilà pour votre information. Après, te garde, stratégiquement, je ne suis pas conseiller financier, mais je vous dis stratégiquement, il faut toujours garder les stablecoins au chaud, ne pas mettre all-in, ne pas mettre tout sur le marché. Car dès que vous mettez tout sur le marché, vous n'en avez plus, bah vous ne pouvez pas réagir à une situation donnée. D'accord? Si vous avez une opportunité qui se présente à vous, bah vous n'aurez pas cette opportunité si vous n'avez pas du USDT. Donc on ne met jamais all-in sur le marché, on met un pourcentage, d'accord? Et on garde toujours des cartouches de disponibles. Ok, voilà sur ce. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos. D'accord? Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Seed Trading était avec vous. Salut la famille, ciao ciao.